Être critiqué n'est pas un souci. Être censuré en serait un vrai. Et là, on nous entendrait. Donc là, objectivement, ils peuvent critiquer, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on puisse publier nos papiers, et c'est le cas. Le reste, c'est vraiment de la discussion entre la direction éditoriale du journal et les actionnaires. Nous, on ne rentre pas là-dedans, on fait notre boulot. En France, à partir du moment où on touche à l'argent, on touche au portefeuille, et on touche à l'argent qui est dissimulé, ça crée forcément des problèmes. Donc on assume et il n'y a aucun problème. Ouais, je peux... Pour vous, donner des noms, ce n'est pas de la délation. Non, donner des noms, je veux dire... On publie, quand je dis on, les journalistes, les médias, tous les médias publient les noms de personnes tous les jours, parfois dans des situations délicates. Dans ce cas-là, c'est de la délation de dire que Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d'avoir participé à des soirées au cours de laquelle il y aurait des choses pas très claires qui auraient été commises. Tout est délation dans ce cas-là. Le fait de nommer quelqu'un est une délation. C'est aberrant, c'est absurde.